La semaine dernière, eh bien, on se souvient de ces images hein, d'un policier assénant un violent coup de poing à un jeune, des images qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Jean-Michel Descugis s'est contraint Bernard Cazeneuve à réclamer l'ouverture d'une enquête administrative. Eh bien, on apprend ce matin, et c'est une information télé, que le policier qui a frappé ce lycéen est entendu sous le régime de la garde à vue, donc depuis ce matin, par l'IGPN. Oui, il a été convoqué par l'IGPN ce matin et placé en garde à vue. Effectivement, tout est parti hein, d'une vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux et qui a créé une forte émotion. On y voyait, on voit ces images, un lycéen donc tenu par deux policiers et l'un d'eux, voilà, qu'on le voit, lui assène un coup au visage. Sur une autre vidéo, on verra aussi une tache de sang sur le sol. On entend les policiers à ce moment-là crier « Lève-toi, lève-toi ». Le lycéen qui a 15 ans eh bien, se lève sans résistance, et c'est là qu'il prend ce coup au visage. Alors que le lycéen avait été entendu, et il y a une enquête de l'IGPN pendant une semaine, des témoins ont été entendus, les images de la vidéo ont été décortiquées, analysées, et le lycéen a été entendu. Il a expliqué qu'il était avec des lycéens qui avaient jeté des œufs sur les policiers. L'un d'entre eux en avait pris un sur la tête, et un autre lui avait foncé dessus, lui avait donné des coups au sol, et puis effectivement, lui avait donné ce coup au ventre. Alors, il y a une enquête administrative qui avait été ouverte à la demande du préfet de police de Paris et une enquête judiciaire. Le policier a été entendu dans le côté volet administratif et là, il est placé en garde à vue sur le côté judiciaire puisqu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte pour violence volontaire. Il risque évidemment une mise en examen ou une convocation devant le tribunal. Merci Jean-Michel. Jean-Michel Descugis, Info ITélé. Donc, ce policier mis en cause qui est en garde à vue à l'IGPN.